Salut tout le monde, c'est Darkbo et... Et moi, Firestark, salut. Dans cette vidéo, on va tenter de survivre à la difficulté impossible que le youtubeur Fundy a créé il y a 4 mois. Mais on va le faire sans se rappeler des ajouts de la difficulté. Ah, moi je me suis pas spoil là. La difficulté, la seule que je connais, c'est la dernière. Ah et d'ailleurs, d'après les statistiques YouTube, seuls 16% d'entre vous sont abonnés. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous pourrez être notifié de mes prochaines vidéos et ça m'aide vraiment beaucoup aussi. Bon bah du coup, on va prendre du bois, allez. Yes. Donc le but dans cette vidéo, c'est d'essayer de battre l'Under Dragon. Enfin, peut-être pas qu'on va y arriver, mais bon, au moins aller dans le Nether. Ça devrait pas prendre trop longtemps. En 30 minutes, on est dans le Nether, max. On devrait... Je vais essayer d'aller chercher s'il n'y a pas un village. Comme tu veux, moi perso je commencerai déjà par farm la bouffe parce que... Si tu veux, moi je vais voir s'il n'y a pas un village. Comme ça on aura des lits pour l'Under Dragon déjà en plus. Oh merde. Tu t'es noyé déjà. C'est ma technique pour aller vite dans l'eau et merde, je me suis dit ah merde. Ouais donc en fait quand tu mets la tête dans l'eau tu te noies, c'est ça? Ouais attends du coup je dois nager à la surface. Faut faire gaffe, putain je suis mort alors que c'est moi qui ai expliqué ce truc. Il y a un truc qui me fait laguer et le truc c'est que je sais pas ce que c'est. Et ça me fait peur. En général, quand c'est des trucs comme ça, c'est que c'est pas un bon signe. Ça va être la merde jusqu'au bout. Ouais. Hop. Bon, j'ai un peu de bois. On va dire que ça devrait suffire. Bon, en tout cas, on a de la chance. On a déjà bois, canne à sucre. D'ailleurs, j'avais vu, il y avait un gars, il avait réussi à faire la cure 7 difficulty. Un youtubeur anglais. Oh purée. Alors que la difficulté, tu vois, au bout de. Entre. Je crois que c'est entre 2 et 10 heures, le sol sous toi il se transforme en lave. Ouais, aléatoirement. Ouais, t'as pas beaucoup de temps pour finir la difficulté quoi. J'essaie de buter des cochons, mais ils passent en dessous des arbres là où je peux pas passer et du coup j'y arrive pas. On est un peu isolé, je crois que c'est un archipel. J'entends déjà un zombie. Aïe, fais gaffe aux mobs, ils sont... Ah, c'est les squelettes qui doivent te one-shot, c'est un truc du genre. Ah, il y a une structure sous l'eau, une structure style Nether avec des blocs d'or. Non. Si. T'es où? Je suis en 39, moins 400. Et c'est sur l'eau, donc pour un bateau. Ah, mais non, c'est complètement con. Elle est pas basse, mais le problème, c'est qu'on peut pas aller sous l'eau. Y'a pas de coffre, j'ai l'impression, y'a pas de blocs d'or, en fait. Je vais quand même venir, comme ça on se retrouve. C'est 3950, c'est ça? Non, moins 400. Ah, mais t'es loin. Donc, attends, merde, 39 moins 400, c'est par là-bas. Bon, finalement, j'abandonne le village. Enfin, le village. La recherche de village. Eh, par contre, c'est bizarre, j'ai toujours pas vu de moutons. Ah, il y en a des moutons. Un mouton. Faudrait essayer de voir pour les cisailles. Il y en a 4. Mais comme ça, au moins, on aura peut-être du lit pour Under Dragon si jamais. Ouais, bah, l'idée, ce serait d'avoir 5-6 lits pour le dragon. Tu sais qu'en fait, j'étais venu te retrouver, au final, on s'est déjà reperdu. Hein. Ouais, je sais. Bon, je vais tuer les moutons parce que sinon, on va jamais les retrouver. Et j'ai juste de quoi faire nos deux lits. Par contre, il va commencer à faire nuit, donc c'est le bon moment de s'enterrer. Ah, là, enterre-toi parce que les monstres, je sais pas de quoi ils sont capables. Je crois qu'ils sont assez puissants. Les creepers, ils doivent tous être surchargés, je crois, dès le début. Yes. Aïe, une araignée. What? L'araignée est-elle plus puissante que d'habitude? Oui, je crois. Plus rapide. L'araignée est plus rapide. Bien plus rapide. L'araignée est plus rapide. T'es en quelle coordonnée, toi? Moi, je suis en... Moins 250, moins 537. Ok, merci. Et tu verras, je suis dans le sol, hein, donc... Je viens d'arriver dans une grotte, il y avait un creeper chargé devant mon nez, il est pété instant. T'es mort? Non, il m'a pas fait de dégâts. Oh putain. Il m'a fait genre 2 coeurs et demi. Sinon, si tu viens dans la grotte, je vais nous faire des lits. Ah, le bébé zombie, il est fou faire. Dégage, non. Le bébé zombie, il est à moitié stuff fer, à moitié stuff diable. Oh, j'ai une épave de bateau, mais je vais décéder si je vais dedans. Attends, j'ai de l'eau là. Je vois exactement l'endroit où je vais pouvoir respirer. Non, merde. Bon, bah du coup, sache que ça sert à rien de faire des torches. Elles disparaissent au bout d'environ une dizaine de secondes. Ah, c'est dans cette difficulté qu'il a rajouté ça. Non, je crois qu'il a mis ça dans toutes ses difficultés. Ouais, c'est ça. Et encore, on n'est pas au bout de nos surprises. T'es sûr que t'es en moins 250, 537? Je suis en moins 254, moins 537. Merde. Non, tu t'es trompé. Je suis allé en Z de 537, je suis à 8 blocs de toi. Ah. C'est bien les squelettes qui one-shot. Tu m'ouvres ou pas là? Ouais si tu veux, je t'ai ouvert, c'est juste à côté d'un arbre. Voilà. Il faut faire un saut. J'en fais un, enfin je nous en fais un chacun. Tiens. Elle est où ta lave? Dans la grotte en bas. Ah mais ouais, il faut un vrai lac de lave. 5 minutes later. Est-ce que tu peux descendre dans la mine où je suis avec des échelles s'il te plaît? Là je suis en train de voir le bateau donc je descends doucement mais sûrement vers le bateau tu vois là. J'ai utilisé un des piliers comme ça je l'ai entouré et puis ensuite je descends au fur et à mesure bloc par bloc avec des planches. Vu que c'est du coup du bois et du coup je remplace.
place en cap planche. Je dois être à 5 blocs de hauteur du bateau là. Je suis à moins 235, moins 655 au cas où. Oh, j'ai un des coffres ici. Bon, il y a de la merde, il y a que du papier. Avec une carte au trésor par contre. Ah, ça c'est trop bien. Oh, il y a une porte là. Et voilà, yes. Du coup, avec la porte, ça me permet d'avoir un endroit en plus de safe. Oh, bon, on a du Curse of Vanishing par contre sur des tenues en cuir. C'est toujours des tenues en cuir. Curse of Vanishing, c'est genre elles disparaissent dès que on finit. Tu meurs, ouais. Tu peux revenir à la base vite fait, s'il te plaît. J'ai un truc à te montrer. Vas-y, suis-moi. Oh, t'as fait le portail. J'y viens de le faire. N'oublie pas, il faut un équipement en or pour les... Ah oui, les piglins. Mais à la limite, moi j'y vais juste avec une pioche, comme ça je trouverai ton truc. Ouais. Je sais pas s'ils sont automatiquement aggro sur nous, les pigmen, par contre. Et sur ta carte au trésor, tu t'étais trompé. C'était pas vers le bateau, c'est dans l'autre sens. J'ai trouvé le biome d'Underman. Genre moi, sur mon serveur survie avec ma promo d'étudiants, ils sont radins. J'ai échangé 40 or, les piglins, 0 perles. Alors que je suis allé en solo, 40 or, 9 perles de land. Ah, pas de luck. Nice, j'ai eu des trucs pas mal. Oh, je l'ai trouvé. C'est un peu galère à trouver de base. Faut qu'on mette des planches. Voilà. Non. Non. Oh mon dieu. Moins 250, moins 180. J'ai presque tout récup. Ah bah c'est nickel ça. Sauf que maintenant il y en a deux qui me suivent et qui essaient de m'attaquer. Et j'ai pas récup le plus important. Je suis maintenant redevenu gaucher les gens. Ouais parce que bon sur mon PC habituel je me suis mis gaucher il y a une semaine. Et je suis habitué à être gaucher maintenant. Salut. Me tape pas s'il te plaît, je suis un demi-cœur. Laisse-moi le lairer. J'ai envie de faire un truc, c'est tellement bâtard. De me taper, oui, on est d'accord. Non, pire. Bon, faire quoi? T'as vu? Ça fonctionne pas, t'as vu ça? Non, parce que là, un demi-cœur, c'est un coup dur, tu vois. Autant que je saute pour rattraper tous mes cœurs, on est d'accord, non? Bruh. Tu m'as tué à la main, tu vois. Je t'ai filé un petit coup de main. Franchement, bravo. Quelle blague de qualité. J'approuve. Tu sais ce que j'ai récup? Non. What? C'est quoi le cœur de la mer? T'es sérieux? Tu connais pas? C'est un truc rare, mais je sais pas ce que ça fait. Ok, si on chope de la prismarine, on peut faire un beacon avec ça. Mais on s'en fout, on est en train de speedrun, nous, on a pas besoin de ça. Si ça fait un totem, je dis pas non, mais là, on s'en branle. Ah, ok. Bon bah, c'est dommage. Mais ça te donne un truc qui te permet de respirer sous l'eau. Ah, ça par contre, je dis pas non. Bah, avant tu disais non. Calme-toi, j'ai pas dit non. Dans ce gars. On aura pas de quoi... Aïe. Merde. J'étais en train de descendre pour attraper de l'or par terre et il se trouve bah que... Bah ouais, bah ils aiment l'or. J'ai miné un or sous mes pieds et j'ai trouvé un piglin juste en dessous de moi. Du coup, il a su que j'avais miné cet or et il m'a tapé. Oh, il y a un squelette. Oh, il y a un bébé zombie dans notre tunnel. Oh, le squelette, il fait du... Oh, il envoie des flèches enflammées. Il y a un Enderman à côté de moi. Il faut faire des boucliers, ouais, c'est ça. Moi, je fais un bouclier maintenant, du coup. Oh, salut. Sinon, t'as remarqué que pour descendre, t'as juste besoin de courir? Ouais, je sais. Sache que j'éclaire avec des poubelles. Ah bah, d'accord. Quoi? C'est pas ma faute si les poubelles font de la lumière. Merci, la lave. Si tu ne peux pas poser de torche... Alors éclaire-toi avec des poubelles, car la lave, c'est trop bien. Bon, t'as vu, ça éclaire bien. Bon, je crois que je vais te rejoindre dans le Nether. Tu veux que je te dise un truc? Je suis jamais allé dans le Nether en 1.16, parce que j'ai encore jamais joué en 1.16. Putain, oh, j'ai réussi à faire une tour. Salut toi, bonjour, j'ai beaucoup d'or, j'ai 3 sacs de pépites. Et pour économiser l'or, je vais faire en sorte de faire les échanges avec une seule personne qui a des bottes en or. Comme ça on économise l'or et puis on l'utilise que pour les échanges si possible. J'ai 26 or, j'ai vu avec les 26 or, j'ai pris les bottes en or et je vais essayer de les miner sous eux, comme ça ils vont pas se barrer. Attends, je vais te rejoindre, je vais chercher une forteresse. Il me reste 6 or, j'ai toujours pas eu d'underpearl. Ah. Dernier or. Je vais devoir en reminer après, sinon. C'est un salaud. C'est un putain de radin. Enfin, bon, je vais pas me plaindre, j'ai quand même un stack de flèches. Mais le but avec lui, c'est de trouver les underpearls. Donc le fait que t'en aies pas, alors que t'es censé en avoir, putain de rageant. Pas zéro, quoi. Aïe. J'ai quelques amis qui me suivent et qui font chauffer mes fesses. C'est-à-dire? Bah, je me fais péter le fion par des piglins.
Ah, sympathique. Ils sont gentils, tes amis. Je me ramène, j'ai à peu près une trentaine d'or, je pense. Vraiment? Bah oui. Hop, j'ai juste les craft. Gold, j'ai 34 d'or. Oh putain. Tu vas échanger avec les piglins, je vais voir où est la forteresse. J'en ai pas trouvé, j'ai fait 500 blocs. Non, mais t'es sérieux? T'en as clairement croisé une il y a 2 minutes, Firestalk. Je vais en trouver une, Jean-Michel. 3 secondes plus tard. Il pique plus que d'habitude. C'est le même que moi. Par contre, dis-moi que mon stuff existe toujours. Oui, oui, normalement. Ta réaction, il pique plus que d'habitude. C'est genre, en fait, tu le compares à une mouche, c'est ça? C'est un vulgaire moustique, le gars, en fait. J'ai plus de stuff. 36 d'or, les bottes, tout, rien du tout. Ah, ça a disparu, il n'y a plus par terre? Il n'y a plus rien. Oh, merde. Regarde, je suis mort là. Ah ouais. Bah, va falloir recommencer. Bah, on n'a pas tellement perdu, on a encore des flèches et tout. Ouais, mais va falloir recommencer tout le nether. Ah non, on a déjà la masse de flèches. Il faut juste reprendre un des bottes en or, quoi. Et il faut rechercher de l'or, donc faut recommencer. Ok, on est reparti. T'es parti de quel côté? Du côté du biome de l'End pour rechercher? J'étais parti au nord, donc en moins 500. Allez, je pars de l'autre côté. Si c'est vers la fin de ce tunnel, on est vraiment sauvé, comme ça on a pas besoin de faire tellement de protection après. J'ai un peu d'or si tu veux ici dans le tunnel. Oh, bah vas-y, putain de filon. Prends-le et tu me le passeras quand tu reviendras. Tu peux me faire des pioches en rab si tu retournes là-bas ou pas? Bah ouais, mais je retournerai pas pour l'instant. Non, par contre, je peux peut-être te passer une ou deux pioches, mais. Ouais, je veux bien, si t'en sur toi. J'en ai 5. Non, attends. Non, mais non, j'en ai même plus. J'en ai 6 encore. Donc, ouais, je vais les garder parce que je vais éliminer. Bon, ok, elles ont cassé toutes les deux. Je vais peut-être pas passer par ce tunnel. Je vais peut-être essayer de contourner, voir s'il y a pas un moyen d'aller plus vite de l'autre côté. J'ai 4 hyper. 4 Voilà, t'en as enfin. Bah, continue les échanges alors. On va en avoir cette fois-ci. Contrairement à moi sur mon serveur. Pure, mais il a beau être radin, il se barre quand je lui donne de l'or quoi. Sinon, tu tapes vers le sud toi aussi? Là, je suis vers le sud, ouais. T'as pas compris la référence? Non, j'ai pas compris la ref. T'as pas entendu parler du drama taper vers le sud? Non. Eh ben, c'est bien, cherche pas. C'est avec The Carry? Non, je sais pas. Non, c'est pas TK. Le fameux TK. TK, pour le coup, on parle plus d'autres choses qu'il a faites. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, je me dis, c'est peut-être une phrase qui était sortie avec sa liaison avec l'autre fille. Non, non, c'est pas lui. T'as combien de perles, là, du coup? 4. Je retourne miner. J'ai pris plus de pioches que toi, cette fois. Ouais, t'en as combien? Trop. Ça dépend, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai 20. Incroyable. Oh, j'ai trouvé ta forteresse. Je suis dedans, moi. Probablement la même que toi, mais je suis pas sûr. En tout cas, le seul truc que je peux te dire, c'est qu'il y a du blaze. Déjà, ah, moi j'ai pas encore. Moi je. Et après, je suis pas encore exactement entré dedans. Et qu'il y a probablement un mort. Non, j'ai oublié d'appuyer sur F3. Je suis en moins 98, moins 38. Bah moi je sais pas. Oh, il y a la masse de Strider ici. C'est fou ça. Oh, j'ai ton stuff. Ah bah nice. Je vais décéder, mais j'ai noté les coordonnées, donc je vais pouvoir retrouver ça. Tu sais comment gagner un 1v1 contre un Enderman? Non. Je le regarde dans les yeux et t'attends. Pourquoi? Parce qu'il va rien faire. Je le tue à la main. Ah, et en plus il a drop une underpearl. Alors par contre je peux pas remonter, mais du coup j'ai une underpearl. Pourquoi tu peux pas remonter? J'ai pas de pioche. Bon, c'est pas grave, je mets une lane netherrack à la main. T'es un guerrier toi. Cuir, cuir, cuir moustache. Pourquoi t'as crié cuir, cuir, cuir moustache? Ça n'a aucun rapport, cuir. Mais non, mais c'est sérieux, tu connais pas. C'est une référence à Bublinon, Skyrim. J'adore quand même, tu vois un connard qui se bat contre un enderman à la main pendant 10 minutes, puis après tu vois un connard qui rentre à la base avec une underpearl comme seul objet dans son inventaire. Oh mon dieu. C'est donc ça d'être pauvre? Non, je rigole, pardon. Non, je suis un guerrier. Un vrai. Oh, j'ai le spawner. Ah, fuck. Mais un peu dangereux l'escalier quand même pour descendre la base. Suffit juste de sauter comme il faut. Tu m'as dit, il suffit juste de courir. J'ai couru sans m'arrêter, j'ai pris 2 dégâts de chute. T'as pas eu de luck? Non, c'est juste toi qui sais pas faire des escaliers, désolé. C'est mensonge sur la marchandise là. On m'avait promis un escalier tout confort où on ne prend aucun dégât. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Je prends 2 dégâts, donc non. T'as qu'à être meilleur à descendre des escaliers. D'accord, donc un constructeur d'escalier me dit ça. Ok, je vais changer de marque, désolé monsieur. Démerdez-vous, il y en a aucun qui fait des escaliers aussi rapides. Putain, ils m'ont mis tellement mal. Ils m'ont même pas envoyé de boule de feu que j'ai pris 7 coeurs de dégâts, mec. Ils t'éternuent dessus et toi tu crèves. C'est ça. Ils me traitent comme une merde. Franchement, c'est pas très guerrier tout ça. Putain. Ils m'éternuent dessus, mais je meurs. Le respect n'est même plus là. C'est quoi ça?
J'en ai jamais entendu parler. Ah! Là là, t'es où? En train de me faire attaquer par un ghast et en train de rechercher mon stuff dans la forteresse. En train d'essayer d'esquiver un ghast en allant vers la forteresse, ce qui est un peu compliqué parce que je dois descendre des escaliers, remonter des escaliers des collines et en même temps esquiver le ghast. Ça demande tout un travail de précision que je n'ai pas et de talent que je n'ai pas non plus. Aïe! Voilà, c'est ce que j'avais dit. Je viens de perdre 5 heures de chute alors que j'étais même pas poursuivi par le ghast cette fois-ci. Juste pour monter un escalier en fait. Attends, du coup tu dis que si je regarde un Enderman et que je continue de le regarder. Ah mais non, c'est un peu con. Je crois que c'est la pire chose de ma vie. Toi tu t'étais mis sur une tour, c'est vrai. Oups. Ce qu'il poursuit là. Oups. Je crois qu'il a arrêté de me poursuivre. Aïe, j'ai mal. Bonjour. Casse-toi de mon chemin, arrête de me taper. J'ai envie de t'aider à avoir mal. T'as de la chance que j'avais pas d'épée. Bon bah là je suis quand même en train de mourir beaucoup de fois. Ah bah tiens, pourquoi ne pas montrer le nombre de morts à tout le monde pour montrer que je suis une grosse merde. Et du coup ils m'ont dit, ah mais t'es une grosse merde Darkbow. C'est vrai. Sinon ta forteresse elle est où? Moins 76, 64, moins 81. Au pire, dès que je décéderai, je te conduis et je te fais une visite guidée. Je suis un professionnel. Non, pas du tout, c'est... J'ai tellement mal... Ah, mais si, il se met dans le trou. Ah non, en fait. J'adore comme tu parles. Tu commences une phrase, puis après tu continues une autre phrase, puis après tu continues une autre phrase et tu finis la première. Il va me détruire les pieds. Enlevant ses barrières pour ne pas mourir dans le feu. Attention, t'es prêt? What? Ils sont tellement... Aïe. Tu me suis? Oui, on est d'accord. Tu fais gaffe au feu, tu descends. Voilà, tac. Là, tu montes. Tu prends ce pont-là. Ensuite, hop, tu te mets sur le bloc là. T'as un escalier là. Ensuite, tu vas à droite. Et mets-toi devant moi. Parce que, voilà. Tu vas le premier à droite. Là. Fais gaffe parce qu'il y a un viseur à droite, normalement. Tout droit. Et là, tu casses ces blocs. Et c'est à droite, le spawner. Et il y a mon stuff dedans. Donc, laisse-moi aller prendre le stuff d'abord. Ah. J'ai quasi tout. Bouge! Tu te mets devant moi alors que... Tiens. T'inquiète. Oh putain. Ah, je suis en dessous. Waouh. Je vais décéder là, je pense. Du coup, non. J'ai un bâton de blaze. Si. Voilà, j'ai un bâton de blaze à côté. T'as combien de perles de land? 5. J'espère qu'on a un portail assez bien rempli. Le feu fait mal. Fais un chaudron, s'il te plaît. Parce que c'est dans la difficulté impossible plus où il a réglé ça. Dans impossible normal, il l'avait pas réglé. Et du coup, l'eau va pas s'évaporer, elle va rester à l'infini dedans. Ah oui. Ah, bonjour le gars. Bonjour. Ouais. T'es un pote, moi aussi je t'aime, je t'adore. Ouais, c'est bon. Calme-toi, laisse-moi passer. J'ai récup mon stuff. Et accessoirement, ce que j'avais récup du tien, et je viens de crever. Oh, j'ai un nouveau blaze rod. Bonjour. C'est tellement enchaîné. T'as plus le droit de dire bonjour. C'est interdit. Ok, il a dit je vais crever, moi je suis en train de monter la forteresse. Puis l'on se croise, il meurt juste dès que j'arrive sur lui. Quel échange magnifique. Putain. Aïe. Je vais décéder. Bonjour monsieur. On fait le même échange, on est d'accord? Ah ouais, mais je suis un peu en retard. Ah, coup dur. Attends, mais si on leur met de l'eau, ils vont tous décéder. Et comment tu mets de l'eau dans nos airs? Eh, tu te calmes, Denis. Je n'y ai pas réfléchi. Tu les mets dans le chaudron, tu vois, c'est ça la solution. J'ai pas le temps de venir à toi, par contre. Chacun son tour. C'est ça, quoi. C'est on alterne. Bon, bah, du coup, c'est quoi ton job? Travaille en alternance au suicide de Blaze? L'alternance est à définir, mais... On fait un relais avec le même stuff. Mais c'est ça le pire en plus. Ça s'appelle un relais. Ah, tire vite. Oui. Oh, je l'ai fait en étant mort.
Mais il est mort, tu l'as là. Attends, mais... Ah, mais t'es mort. C'est la première fois que je tue un ghast en étant mort. Un peu, beaucoup de farm plus tard. J'ai une potion de résistance au feu. Nice, ça va servir à pas grand chose, je pense, mais... Ça servait avant, mais plus maintenant. Bonjour, je suis là avec les Blaze Rods. Bonjour, je suis là avec les Blaze Rods, comment ça va? Ça va. Merde, je me suis trompé, c'est pas ça la blague. Zedan, les Enderpearls. On va essayer de voir où est-ce que ça peut donner. Attends, mais j'ai même pas fait gaffe s'il avait drop ou pas. Oups. Ah oui, ça te one shot quand t'es dans l'eau en fait. Ah ouais, sinon c'est pas drôle. Dans l'eau, tu prends des dégâts au bout de beaucoup de temps et puis tu prends pas beaucoup de dégâts. Ça a pas de sens. Je le comprends après Fendi, tu vois. Ouais, non, mais c'est normal. J'ai trouvé le Stronghold. Ah ouais, du coup je dois faire comment pour descendre t'as dit? Bah tu mines un troisième bloc à côté. C'est pas tellement efficace. Ah mais est-ce que je peux mettre les bateaux? Non, tu vas crever. Enfin oui tu peux pire, mais pire, c'est chiant. Mon stuff. T'auras mon stuff au pire de toute façon. Ouais. T'es prêt à recevoir le stuff avec le lit? Moi de toute façon je dois revenir non. Après. Donc... Aïe, bon bah voilà, t'as mon stuff. Ouais, sauf que moi je suis un peu perdu dans le stronghold là. Ah, bon bah écoute, qu'à cela ne tienne, je suis pas ta mère, et puis rip, il faut que t'ailles prendre le lit, parce que sinon tu vas respawn à 3 km. Ok, c'est bon, je récupère ton stuff, j'ai tout mis dans un coffre. J'ai une biblio. Ah bah d'accord. Bon bah, il y a mon stuff aux coordonnées que j'ai envoyé. En fait, je suis vraiment mort 2 cm à côté de mon lit. Je suis mort. J'ai trouvé la deuxième bio et je te l'ai envoyé dans le chat. Ah mais il explose instant. Bah c'est ce qu'on avait dit en fait depuis le début. Non. Pourquoi t'avais pas signé le même papier que moi? Non. 3 secondes plus tard. Hello darkness my old friend. T'es sérieux? Ouais. Sérieux? C'est quoi cet Enderman? Il se téléporte même pas. Mais un coup il me met mid life et il se téléporte pas. Bon bah, décor. Il m'a eu. Tu vas gagner un nombre de morts parce que t'es en train de visiter le Stronghold et moi je dois attendre ici pour savoir combien il y a de vieux là-bas. Bah limite continue à les farm hein, en attendant. Hein. Parce que de toute façon, au pire, tu perds rien en farm 12. Sachant que j'en ai 6, je crois. Je me suis perdu. Oh mon dieu. Ça c'est pas bon. J'ai un creeper chargé qui m'a explosé sur le dos pendant que je fightais une araignée et il a fait pop la maladie du Stronghold. C'est quoi ça? Les Endermites. Ah. T'as cru qu'il y avait vraiment une genre de maladie spéciale pour le Stronghold? Bah ouais. Bon bah je suis mort. Enchaîné par le même squelette. Il est à côté de mon stuff en fait. Et je peux pas le passer.
Il y a beaucoup trop de mobs, j'aurai jamais mon stuff. Oh putain. 2 hours later. Putain, il est trop loin cet Enderman pour que j'arrive à le viser. 2 sur 12. Merde. Je pète le spawner à Silverfish? Ouais. Je suis vraiment en train de péter le spawner à la main par contre. Hein. Je suis vraiment en train de me faire poursuivre par un Enderman et je sais même plus où est-ce que je dois aller là. Bon bah ouais, je crois que ce que je pense, c'est vraiment ce qui est en train de se passer, et si c'est le cas, putain, on n'est pas dans la merde. Pourquoi ? Bah en fait, je pense que les silverfish peuvent infester tous les blocs du donjon, et que du coup, bah en fait, si t'en spawn un, t'es obligé de vider tous les blocs. 3 heures plus tard. Nye. C'est trois bouts de viande. Am I ready for the Enderman ? Aïe, j'aime les pattes. Nye. C'est bon, j'ai pas perdu tout mes cœurs non plus. Ah un demi-cœur. Un demi-cœur à cause de la chute. Ah mais oui, c'est vrai, j'ai oublié que je savais plus où était le coffre. J'avais récolté aucune underpearl de toute façon. Ah, bonjour toi. Ouais, t'inquiète. Ouais. Aïe. Putain, je sais pas où il est. Ah, bonjour. Oui, en effet, enchanté monsieur. J'ai un demi-cœur. Le moindre coup, je suis décédé. J'ai fait une protection toute pourrie. Mmh. Je tiens à dire que pour l'instant, dans ma quête de charbon, j'ai trouvé plus d'or que de charbon. Incroyable. Waouh, je suis tellement plus protégé maintenant. Et The Bardi, on a besoin de combien de perles, t'as dit ? 3. Ok, j'en suis à une. Plus que 2. C'est effectif. Oh, un Enderman. Allez, ramène ton cul. Voilà, c'est bon, bonjour. Après, je vais devoir me suicider vu que je suis un demi-cœur. Comme ça, je pourrais revenir avec de la bouffe, peut-être, déjà. Comme ça, je pourrais régénérer. Suis-je... Ah ! Non, venez pas maintenant. Attendez que j'aille à mon abri et ensuite, vous venez. Oh, putain. Oh, coucou. Il a failli me taper, celui-là. Oh, Enderman. Oula. Ah, oh, putain. Why can't we be friends? 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 J'étais juste au-dessus, tu vois, de mon truc en terre. Enfin, mon plafond en terre, du coup, je voulais aller dedans. Mais vu qu'il me reste un demi-cœur, je suis mort de chute. À un bloc, limite. La pire chute. Ah, il y en a un là. Il y en a même 2. J'ai attiré les 2. Oh, il y en a 3. Ramène-toi aussi. Bah, paf. Si t'as le plafond, oui, c'est bon. Ouais, j'ai le plafond. Il y en a, ils ont essayé de voler des blocs de mon plafond, ils ont pas trop réussi. Ah si. Ouais, bah c'est un coin. C'est le pire truc, c'est... Oh putain, ils ont volé un bloc un peu chiant là, par contre. Bon, heureusement que j'ai attiré les 3. J'ai une underpearl sur 3 gars. Je prends underpearl et coffre. Comme ça, si jamais je décède par un Enderman sur le chemin, j'aurai de quoi protéger au moins. C'est pas hyper loin, mais bon, il faut quand même remonter assez haut. Oh putain, il y a des piglins. Oh, il y a un Enderman. Je me suis enfermé. Bon, allez, je passe à travers le mur. Tu disais comme si c'était normal. Bah, c'est tout à fait normal si un Enderman te pourchasse. Bon, allez, je me transforme en fantôme 5 minutes. Je reviens. 101 moins... 83. Je suis pas à la bonne hauteur, je crois. Au pire, je me suicide, comme ça je saurai par où je reviens. Allez, c'est parti. Comment se suicider? Laisser un Enderman venir vers toi. Poser un coffre à côté au cas où ça dépop. Et le regarder dans les yeux. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bonjour. Je me mets... Oh, pomme. J'allais sauter dans une flamme en même temps, mais non.
Aïe. C'est parti, je suis bientôt au portail du Nether avec les perles. Nice. J'ai tout mon stuff préparé dans un coffre, je passe la nuit si besoin, je me revitalise en nourriture, je crois que j'ai de la nourriture là-haut, et puis ça sera bon. Ah mais du coup, va falloir faire trop gaffe, ils vont nous attaquer les Enderman, il faut les potions d'invisibilité oui. En fait. Non, t'inquiète. What? J'ai trouvé une structure là, de jungle, un truc du genre. Oh, il y a un coffre, mais il y a un zombie à côté je crois, je vais éviter je pense. Bon, on va éviter, sauf si je pose un lit juste à côté. Respawn point 7. Donc si je meurs, j'ai mes items, donc c'est pas grave. Ouais, il y a deux endroits avec des coffres. Canapé mending. Bon, il n'y a pas énormément de trucs intéressants. Et l'autre, canapé mending. Ok. Bon bah j'ai une autre perle. Bon allez, je go vite, c'est parti. Fais gaffe à l'eau quand même. L'océan me tombe sur la tête. Fais gaffe à l'eau parce que tu vas te noyer toi. Aïe. Aïe. Oh putain, il s'est multiplié, t'as raison. Là c'est vraiment de la merde ce qui vient de se passer. Je t'explique. On respawn à plus de 800 blocs et les yeux ont probablement pété. Ils ont pas pété, mais je suis mort avec. Non, mais en fait, j'ai fait clic droit avec les yeux au lieu de faire clic droit avec les blocs. Et ça a fait quoi? J'en ai drop 2. Putain, non! Bah, fais un bateau chacun seulement et puis on y va. Viens. Ouais, en fait, il y avait pas de blocs en dessous. Hop, je te laisse remonter. Tiens, prends ça. Oh, y a un œil là, en plus. Me demande pas comment je suis tombé comme ça, dessus. Waouh. Ciao. Non, putain! Tu voulais me pousser, mais non. Je suis en sneak, tu sais. Non, mais avant, il y avait un bug quand t'étais en sneak. Arrête. J'ai plus de bouffe, en plus. Ah. Mais il y avait un bug quand t'étais en sneak. Ça te faisait rentrer, genre quand t'étais sur le bord. Bon, je rentre. Voilà. Ah merde, je suis con, j'ai pas pris de pioche. Envoie-moi une pioche dans le portail, s'il te plaît. C'est un bon spawn ou pas? Bah, je suis enfermé, là. Ok. Donc envoie-moi une pioche. Bon, donc ça va, c'est un bon spawn. Et peut-être un arc et 2-3 flèches. Comme ça, je vais pouvoir attaquer les cristaux. Ouf, j'ai la masse de pioche là, merci. T'as assez de bouffe? Mets un coffre à côté du portail là où t'es, ou alors de mon côté. Peut-être qu'on pourrait douiller en essayant de fermer les underpearls. On est en sous-sol, tac. Aïe. Oh putain, ils sont tous énervés, c'est vrai. Moi, ce que je te conseillerais, c'est d'abord faire un truc pour bloquer les Enderman. Genre, tu fais d'abord un toit. Premier truc à faire. C'est ce que j'essaie de faire, là. Et ça sert à rien que je t'envoie des matériaux pour le faire. Les Enderman peuvent tout prendre, sauf l'Instone. Vraiment? Ils peuvent tout récupérer, tous les blocs, sauf les blocs qui sont dans l'End. Envoie-moi des épées. Hop, je t'envoie 4 épées. Merci. Ok, on a un peu de bouffe. Aïe. Ah putain, il a envoyé. Hop. Il a envoyé son truc là, le dragon. Bon, je prends les épées, merci. Il a renvoyé pareil, mais j'ai réussi à monter d'un bloc au moins. Comme ça, je me mets près de la surface. Et ça sera plus simple pour faire le tunnel. Je fais un tunnel vers toutes les tours. Envoie-moi un arc avec des flèches, je vais attaquer les petites. Je te passe un arc et 16 flèches. Ça te va? Ouais, ça va. Merci. Oh, j'en ai touché un. Yes. Take aim. Shoot something with an arrow. What? Ah, bah c'est le dragon, tu vois. C'est bien comme première cible. Ouais. Ah putain, deux Enderman. Et un lit en plus. Ah, je suis mort. Mais bon, ça va, c'est pas trop loin. Wow, j'ai rien besoin, je crois. Mais tu peux y aller à poil, vu que ton stuff est pas mort. Bon, ouais, j'y vais à poil. Ah bah ok, tu te mets à l'aise comme ça, toi. Attends, j'ai réussi à le casser ou pas? Je sais pas. Si j'y vais juste avec un seau d'eau et une underpearl, je peux essayer d'émelger pour arriver sur les tours ou pas? C'est chaud et les tours vont one shot. On a 3 seaux d'eau. Je peux essayer avec un? Je sais
pas. Allez, je vais tester ça là. Comme ça, je pourrais faire ma technique juste avec le saut. Je suis là. T'arrives encore à miner vers là? Mais tu te poses pas de questions en fait. Tu peux miner jusqu'au bout. Et en fait, la tour elle est full de psy jusqu'à la bedrock. Et voilà. La tour, celle-là, elle a déjà été faite. Mais en fait, si tu regardes là, on est à l'extrémité. Donc c'est bien de l'avoir miné. Parce qu'on doit aller par là justement. Tu mines et puis je vais essayer de le faire sur des tours assez basses. Mais faut que tu le fasses sur les deux tours avec les barrières. Ah, les deux tours avec les barrières. Mais je pourrais pas les atteindre, ça c'est avec un arc qu'il faut le faire. Non, les tours avec les barrières, tu dois les faire comme ça. Y a aucun autre moyen. Non, avec les arcs ça fonctionne. Casse-toi. Fais gaffe. Mais tu peux pas les faire avec un arc s'il y a les barrières. Si, ça fonctionne. Non. J'ai déjà essayé, mec. Enfin, pardon, moi aussi. Excuse-moi, j'ai dit de façon énervée, mais j'ai déjà essayé. Les flèches, elles passent pas au travers des barrières? Si, dans le coin. Non. Mais tu sais que, genre, les barreaux, ils sont à plus de 2 blocs, donc ça passe pas. Tu peux pas me dire ça passe pas alors qu'il y a une semaine, c'est exactement ce que j'ai fait, tirer à l'arc dans le coin de la barrière, en 1.16.3. Aïe. Un gang de 4. Je mine par là. En fait, faut essayer de se mettre juste sous les tours, comme ça je peux monter avec le seau d'eau si on veut. Du coup, tu vois où tu es? Ouais. Le tunnel que t'as fait, y a de l'eau à côté. J'ai pété toutes les tours de ce côté-là. Vraiment? Déjà? Bah avec l'arc. Ah ok, ah ouais, t'as réussi. J'ai eu les 5 plus à l'est. Y'a combien d'Underman? Fais gaffe à pas rentrer là, parce que là y'a 25 000 Underman à l'entrée. J'ai vu, je peux rien faire. Je les attaque en groupe. Aïe merde, ils m'ont attaqué. Je reviens. Pour le moment, 46 morts de ma part et 39 pour toi. Et encore, on peut pas tellement dire que c'est parce qu'on est noob, c'est aussi parce que c'est à difficulté impossible, donc... Donc là, ne l'oubliez pas. J'ai eu une des deux tours avec les barrières. Plus que 3 tours. Merde. Putain, mais t'es tellement efficace, mec. Je ramène un saut. Comment tu fais pour atteindre les tours comme ça? J'utilise des blocs pour bridge, j'utilise le seau d'eau pour monter, et je me protège avec l'endstone. Ah, merde. Merde. Je vais prendre le seau d'eau. C'est galère, parce que moi, faut que j'arrive à sortir déjà sans qu'il m'attaque. Aïe. Plus qu'un. Je tiens à te dire que tu as un idiot avec 40 Enderman derrière lui qui vient de péter tous les cristaux. Mais comment tu fais, bordel? Moi je suis là, j'arrive même pas à sortir, mec, et il m'attaque. Tu cours plus vite que... Enfin, tu cours à la même vitesse que... Ah, donc il faut juste se balader et courir. Ok. Bah, tu prends le moindre bloc, tu te fais des glingues en fait. Mais si tu cours bien, ouais. Vas-y, je vais essayer ça, là. Même s'il y a aucun cristal à... Bon, je passe par l'autre côté où tu passes, parce que moi, je peux pas faire mon escalier, là. Il y a 25 millions d'Enderman à côté. J'ai pas le temps de sortir, mec, là. Abuse pas. Je suis monté l'escalier, un bloc, et paf, 4 Enderman qui m'attaquent. Bah ouais. Putain, je peux pas sortir, il y a des Enderman qui m'aggro, direct. C'est pas grave, au moins il y a... J'ai récupéré ton stuff.
peu le temps de sortir. Non. J'ai failli faire péter le dragon. Faut rester là du coup. Bah reste là dedans, tu vas te faire défoncer. Ah non mais il va nous attaquer là, je suis con. Attends, non il descend. Ok, prépare le lit. C'est bon, le lit est là. Ah putain, non. Je suis mort moi du coup. C'est bon. What? Ouais, c'est... J'en ai un. Tu sais qu'en plus, c'est vraiment un mec qui a fait un bug report, comme quoi dans l'Aisne d'Elnézer, ça faisait ça. Et du coup, ils ont laissé ça? Bah, y a un mec qui a report que c'était un bug, et du coup, ouais. Ils ont transformé le message de mort des lits, enfin, quand tu fais exploser un lit, en intentional game design, pour que ce mec-là, il puisse savoir que c'est, bah, intentionnel. Parce que de base, c'était marqué quoi? Bah, que t'es mort dans une explosion. Aïe. Bon, bah, ok. J'ai pas le temps de sortir. Bon, on va y arriver. Par contre, il a pas pris tellement cher, j'ai l'impression. Parce que tu as très mal fait péter. Mais il était pile sur le truc, arrête d'abuser. Oh putain, encore défoncé par Enderman. Mais non, mais pourquoi t'as enlevé l'eau, t'es con? Il faut vraiment laisser l'eau, c'est notre sécurité. Sinon, on peut pas revenir. Bon, bah du coup, je suis mort en essayant de venir te chercher. Et j'ai enlevé l'eau parce que l'eau, elle était au pire endroit possible. Mais laisse-la quand même là, parce que après, on peut reprendre le dragon. Tu mets deux sources d'eau si tu veux, mais il faut la laisser, celle-là. J'étais en train de la chercher pour la ramener. Parce que t'en avais mis une à un endroit qui avait aucun sens et qu'il y en avait plus d'autres. Non, purée. T'as posé un seau d'eau entre temps ou pas? Non, j'ai fait tout le tour de la map pour éviter que tes Enderman me one-shot. Mais on s'en fout, tu poses un seau d'eau, on en a 20. 3000, t'en poses un. Et je fais comment pour la récupérer si tes Enderman me butent avant que je puisse m'en rapprocher? C'est bon, j'ai posé un seau d'eau. Voilà, bon, je suis mort dedans, mais je vais poser un seau d'eau à côté du portail. Il faut poser un seau d'eau, quoi qu'il arrive. Les Enderman n'aiment pas l'eau, de toute façon, donc. Ouais, non, mais faut poser un bon seau d'eau, parce que poser un seau d'eau de merde, ça sert à rien. Mais là, on s'en fout, bon ou pas. De toute façon, ils arrivent, ils te one-shot, limite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est poser un seau d'eau n'importe où. Comme ça, ils non, peuvent pas t'attaquer. Non, si tu le poses n'importe où, c'est plus chiant qu'autre chose. Mais non, ils peuvent pas attaquer après. Si. Bah non, tu te mets dans l'eau. Bah non, si tu mets un seau d'eau de merde, non. Ils peuvent t'attaquer même si t'es à moitié dans l'eau. Bah non. Bah si. Pourquoi? C'est le principe des seaux d'eau de merde. Si t'as qu'à un seau d'eau qui fait genre une ligne, un bloc. Des seaux d'eau de merde. Déjà, définissons quel est un seau d'eau de merde. Bah un seau d'eau de merde, c'est genre un seau d'eau qui sert à rien. Genre en mode quand tu mets en haut d'une montagne. Oui, mais non, mais là on le met sur le parterre quoi, n'importe quel seau d'eau. Moi je demande juste un seau d'eau parce que sinon je suis obligé de recrafter des seaux d'eau à chaque fois parce que je peux pas sortir. Et dès que je peux sortir, je me fais aggro direct et je meurs parce qu'il y a pas d'eau. Mais ça sert à rien de crafter un seau d'eau pour sortir parce que l'endroit où tu sors c'est tellement de la merde que même mettre un seau d'eau ça t'aidera pas. Si ça m'aide, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Non, ça m'aide parce que tout à l'heure ça m'a permis de sortir. Attends, il est en train de descendre ou c'est moi qui rêve? Non, il est pas en train de descendre. Aïe. Non, il est pas en train de descendre. Putain, ok, magique. Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'as fait ça? Une sortie où tu peux courir direct. Ah, ok. Oui, mais... Ouais, ok. Mais d'accord. C'est vrai que c'est mieux que l'escalier. L'escalier te ralentit un peu. Oh putain. J'ai pas vu combien j'en ai derrière moi. J'en ai combien, si tu vois. Aïe. Moins que moi. J'ai récupéré c'est... 3/4 de chez toi. Oula. Aïe. T'es sérieux? J'ai fait clic droit sur le lit, ça a rien fait. T'es mort où? Ah, t'es mort là. Bah sur le lit, ouais. Hop, c'est bon, je suis là. Tu peux me passer la pioche, s'il te plaît? Désolé, j'ai pas eu le temps. Il descend le dragon. Bah va essayer de le faire péter le lit, mais je suis pas sûr qu'il y arrive.
Je l'ai fait péter. Par contre, il y a des items qui ont crevé dans le feu. Il y a les seaux, ils sont toujours là, certains. Je sais pas s'ils sont tous là, mais j'ai vu un seau vide, un seau d'eau, et puis le reste, je sais pas. Il en manque un. Bah, désolé, mais c'est pas de ma faute. C'est parce que du coup, j'ai dû exploser le. Mais ça lui a fait aucun dégât quasiment. C'est quoi? J'ai une idée de merde. On va inonder l'end. Ah, on met de l'eau partout? Ouais. Ouais, c'est intelligent. C'est déjà en galère avec les Underman, pourquoi pas les supprimer? Oui, 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 c'est une bonne idée. Alors, si tu veux commencer, ce que je te conseillerais, c'est de faire un chemin qui nous permet de remonter. En ayant les pieds dans l'eau sans crever. Et moi je vais commencer à inonder un peu autour du dragon. Ah, je vais atteindre les 100 morts. Ouais, j'ai réussi à lui mettre quelques coups. Bon, mon épée a pété, mais j'en ai mis quelques-uns. C'est bon, j'ai fait la liaison. Mais non! Je vais quand même tenter de lui mettre un... Non, recule, recule, recule. Pourquoi? Recule, recule, tu vas crever. Non, j'ai pas eu le temps de lui faire exploser. Ah, y'a plus de lit? Comment ça? Bah, il la déglingue. Vas-y, approche et tape. Mais moi, j'ai juste une piole, donc faut taper son, sa tête d'ailleurs. C'est la tête qui est plus vulnérable. Ouais, bah, faut déjà réussir à le taper, donc si tu lui tapes les pieds, vaut mieux taper les pieds que pas le taper, quoi. Oui, oui, oui. Tu peux pas lui tirer dessus quand il est comme ça. Ah merde, je vais essayer un truc. Normalement ici, dès que t'es là, il t'attaque pas. Bah crois-moi que si, il va t'attaquer. Ah mais ouais, l'explosion sera absorbée par l'eau. Non, pourquoi? Elle fera juste pas de dégâts au bloc. Ah, donc ça peut... je peux toujours laisser ça. Oui. Il est sans. Ah putain. Mais comment ça se fait qu'il arrive à détruire le lit et puis ça le drop pas l'item? Mais parce que c'est un dragon. Il casse pas les lits. Oh fais gaffe. Il les annihile. Fais gaffe, il y a un squelette. Il y a un squelette dès qu'on revient. Merde, j'ai pas de... Où est l'épée? Ah putain. Bah attaque-le. Enfin, c'est pas grave si tu me tapes avec. De fou, tu t'es mis devant moi. Mais c'est pas de ma faute, moi je vais chercher à faire le tour pour trouver des épées. Bon, je prends tes épées. Mais c'est pas grave. C'est juste que tu t'es mis deux fois devant moi quand je t'appelle squelette. Du coup, je t'ai volé à la place du squelette. J'ai jamais réussi à le tuer comme ça. Bah si. C'est pas la bonne méthode, moi je comprends pas pourquoi elle fonctionne pas la méthode des lits là. Désolé. Mais t'es sérieux? Bah je l'ai bien attaqué. Je crois que tu l'as pas fait un seul dégât. Hein. Mais c'est pas normal parce que ça lui a fait une explosion sur lui là. Ah si, tu l'as touché. Ah voilà. Tu as fait un peu de dégâts. En fait c'était ça, il fallait mettre le lit bien dans l'eau là. Et du coup on a plus de lit. Donc c'est triste. Faut le finir à l'épée. Tu peux me donner une épée ou pas? Merci. Mais prépare-toi. Hop. Putain, sa hitbox, il y a un problème là. J'étais en train de le taper, j'étais à 2 mètres de lui à peine. Ouais, mais la hitbox du dragon, elle a toujours été chelou. Ça, c'est normal. On aura mis combien de temps à le battre? Oh putain, 2 heures. Fais gaffe, il y a magie du dragon là. Il descend en plus, non? Je sais pas, mais en tout cas, tu fais pas péter notre stuff avec ce lit. Bah, j'ai plus de lit. Ah, il y a un lit? Il y en a un qui est posé. Vraiment? Ouais, mais tu fais pas péter le stuff avec. Où est-ce qu'il est posé? Ah oui. Ah, c'est le lit de tout à l'heure. Je peux péter le lit ou pas là? Oui, maintenant on a plus de stuff. Enfin, maintenant on récupère le stuff surtout. Allez. Essaye de le taper. Putain, non. Faut que t'arrives à essayer de le péter toi aussi. Oui. Je l'ai fait combien? Je crois que ça a pas mis grand chose. Et redescends, prépare-toi. Ah, bah merde. Eh hey, mec, envoie une underpearl sur lui dès qu'il est en bas et tu le tapes. C'est ce que je viens de faire, ça marche. Bon, tu peux le taper un coup, mais au moins tu peux le taper un coup et je l'ai tapé à la tête là par exemple. Oh putain, oh j'ai enchaîné 2 ou 3 coups. La technique de l'underpearl est pratique parce qu'il t'éjecte pas direct. Sans mort. GG. Oh putain, on se rattrape. Enfin, tu me rattrapes. Tu vois, t'as 10% d'avance. Enfin bon, à ce niveau là, ça veut plus rien dire.
Oh, il descend. Mais... C'est moi qui l'aurai. Oui, je l'ai eu. Oui, oui. D'où tu m'attaques? Tu finiras pas le jeu.